Les défis auxquels fait face l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale sont nombreux et cruciaux. L'uniformisation des politiques sectorielles en matière d'aviation civile est essentielle pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes. La migration de nos États vers ce nouveau système réglementaire prévu au plus tard le 31 décembre 2025 constitue le principal défi actuel de nos États. En effet, il importe toujours de le rappeler qu'une fois cette migration effective, la zone CEMAC sera la deuxième au monde après l'Union européenne à réaliser un tel objectif dans le domaine de l'aviation civile. La sixième session ordinaire du comité des ministres de l'ASA-AC, tenue à Douala, a été une occasion pour adopter le budget nécessaire à la réalisation des projets prioritaires. Les travaux, c'est pour examiner le projet du budget de l'ASA-AC qui va être soumis bientôt au Conseil des ministres de l'UAC. Et donc, c'est important que le comité de ministres puisse s'en approprier des orientations vraiment données par ce budget. Et il y a aussi la sensibilisation de nos différents États pour aller vers l'application du règlement communautaire. L'urgence de passer à la phase pratique après ces assises n'est plus à rappeler afin d'assurer la conformité aux normes internationales en vigueur. Les objectifs, c'est atteindre, à l'horizon des années à venir, atteindre un taux de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'aviation civile de plus de 80%. Ces normes concernent des domaines précis, des domaines des aérodromes et de sol, des domaines de la navigabilité des aéronefs, des domaines de l'exploitation technique des aéronefs, des domaines de supervision du personnel, des personnels aéronautiques. Dans le cadre de sa mission, l'ASA-AC doit se concentrer sur la certification et la supervision des transporteurs ainsi que les organismes de maintenance et de formation afin de favoriser un développement aérien durable et sécurisé au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.